Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, c'est Jen de Jen Création Couture sur YouTube et Jen Crée Couture sur Instagram. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale puisque je suis accompagnée de Nayla pour cette vidéo puisque aujourd'hui on va parler de couture débutant. Et Nayla voulant se mettre à la couture, on a décidé donc de lui offrir une machine à coudre. Et du coup, je vais profiter de cette vidéo pour l'ouvrir avec vous. Donc cette machine, c'est la Brother Little Angel KD144S, donc qui est une machine à coudre, mais ce n'est pas un jouet, qui est pour enfants. Et je l'avais acheté sur le site de 1-2-3 Cousé avant qu'il ferme, donc c'était une fin de série en fait, et je l'avais acheté donc à 89,40 €, et en sachant que cette machine elle coûte aux alentours de 129 € normalement. Donc j'espère que vous allez bien, j'oublie toujours évidemment, donc j'espère que vous allez bien. Que vous portez bien. Je suis très contente de pouvoir vous refilmer cette vidéo aujourd'hui. Ça fait un long moment. Si vous m'avez suivi pendant les Vlogmas de décembre, je vous avais dit que j'avais envie de tourner une vidéo au Center Park quand on est parti, et bah, c'était cette vidéo. Donc en attendant, Nayla a attendu pour ouvrir la boîte de la machine parce qu'on ne l'a toujours pas ouverte en fait, donc elle n'a toujours pas cousu avec. Elle est très patiente, heureusement. On va l'ouvrir ensemble et je vais vous filmer ça. Donc, voilà la machine. Donc, c'est la Brother KD Little Angel KD144S. On va l'ouvrir. Allez. Alors, pour mettre on a un petit sachet avec des aiguilles machines, des canettes, le pied pour les boutonnières, un petit outil pour tournevis et le protège-doigts. Voilà la machine. Ça, c'est les décors. Et après, il n'y a plus rien dedans. Donc, voilà. J'ai trop hâte. Machine, c'est une machine électronique quand même. C'est aussi pour ça que je voulais prendre cette gamme-là. Parce qu'en fait, j'ai déjà une machine Brother sur laquelle j'ai commencé avant de m'offrir la Janum. Et du coup, je voulais quand même lui prendre quelque chose d'électronique plutôt que de mécanique. Je trouve ça plus simple. Elle a quand même pas mal de points et elle a... la boutonnière en plusieurs phases. Comment ils expliquent ça? Boutonnière en 4 étapes. Donc elle a l'éclairage LED puissant, la canette horizontale, le protège-doigts, la boutonnière en 4 étapes, la 14 fonctions de couture et la personnalisation avec le dessin là. Donc ce qu'on a là. Donc celui de la machine. Il y a le hibou et les petits cœurs. Le petit cœur. Ouais, je pense que du coup il faut le coller. Donc c'est définitif après si tu le colles. On ne pourra pas le changer. Non, mais je vais laisser celui-là. Et si je change d'avis, je mettrai le cœur. Ok, ça marche. Il y a un CD aussi d'explication, en sachant que nous on a le Mac. Et le Mac ne prend pas le CD. Il y a la pédale et la prise. Donc, qui sont la même, qui sont reliées. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je trouve que c'est un bon investissement pour une première machine. Donc, on va tester ça ensemble juste après. En fait, donc là, on voit qu'il y a la canette, là. Tu vois, oui, la canette, il y a le pied presseur normal. Attends. Il y a déjà une aiguille de mise.
Ce qui est bien aussi, c'est, tu vois, tu as le dessin, parce que dans les électroniques, le fil doit aller dans un certain sens. Si tu le mets dans un autre sens, ça va pas aller. Donc, il faudra bien que tu regardes. On va commencer par faire la canette, si tu veux. La canette? Allez, on la branche. Du coup, j'ai pris le porte-bobine de mon atelier pour pouvoir faire la canette avec un fil, avec un cône de fil. Donc, on l'allume. Effectivement, il y a une bonne lumière. Et déjà, on prend. Tiens, tu le tiens. Donc, le fil, tu commences par le mettre. Tu vois, ça parle de ça. Ça, c'est pour régler la tension de la canette. Et donc, le fil, il va comme ça. Donc, toi, tu dois mettre le fil dans le rond comme ça. Tu prends le fil. Tu le mets dans ce sens-là. Voilà. Et après, voilà. Et comme ça, tu sens une tension, tu vois. Et le bout du fil là, tu dois le mettre dans le petit trou de la canette. Tu le vois? Oui. C'est pas beaucoup de prise. Je filme rien du tout. Je sais. Dans les deux trous? Juste, non, du bas, non, dans l'autre sens. De l'intérieur, voilà. J'étais presque. C'est pas grave, tu reprends, mais tu le passes. Voilà. Et maintenant, ça, on va le mettre. Et quand tu veux faire une canette, il faut le pousser vers... Vers là? Ouais. Non, non, pas le tourner. Tu vois, tu l'enfiles après. Il faut que tu pousses comme ça, tu vois? Et là, du coup, ça se cale à ça. Maintenant, tu t'assois. Et on va tu dois tenir le fil. Tu dois tenir le fil là. Okay. Et tu appuies sur la pédale. Du coup, je vous montre parce qu'elle n'a pas envie de vous le montrer. Je lui ai acheté une boîte à couture chez Action. Je crois que c'était 3 euros, je ne me souviens plus. Et du coup, elle a rangé sa petite boîte à couture toute seule, comme grande. Donc, il y a un petit compartiment là. Voilà, ton coupe-fil, il est là. Tiens. Et elle s'est rangée les petits bouts de tissu, les ciseaux de couture que je lui ai achetés. Comme ça, elle a sa boîte à couture personnelle. Tu peux couper le fil d'en haut de la canette. Celui-là? Attends. Ouais, celui-là, celui d'en haut. Là? Ouais. Tu peux l'enlever. Il sert plus à rien maintenant. Là, je trouve que la tension est pas nickel. Et... je trouve qu'il a trop fait en bas, donc quand il est comme ça, qu'il a trop fait en bas, vas-y, allume. Il faut juste que tu guides le fil pour qu'il soit bien en haut. Tu vois? Comme si tu tapais dans une balle. Qu'il fasse bien remonter et descendre. Qu'il soit bien égal. Donc là, la canette, elle est faite. Tu peux la pousser vers la gauche. Voilà, tu peux l'enlever, tu coupes le fil là. Voilà, tu peux l'enlever. Et on va l'installer dans la machine. Le dessin, il te dit quoi? Le fil, il doit aller là. Comme ça. Attends, déjà pose le ciseau, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Alors, le fil, il doit aller dans ce sens-là. Tu vois? Les petits traits, hop, donc on le met dans ce sens là, c'est bon, hop, voilà. Et là, en fait, tu dois le placer dans les tensions, tu vois, tu le vois ou pas là? Ah, dans les traits, voilà. Là, il est passé, hop, c'est bon, elle est mise. On remet le cache et on va enfiler au-dessus maintenant. C'est à l'envers. Pour enfiler, il faut que tu suis les guides fil. Le 1, c'est ça, c'est cette tension-là. Voilà, après tu descends. Le 2. Le 3, il est là. Voilà. Faut que tu descends plus bas, Minou, en dessous de la roue. Oui, parce que... Encore. J'arrive pas à passer. Ah, voilà. Non,
Non, non, Minou. Il faut que tu descends tout en bas. Tout en bas? En dessous. Voilà. Ah. Après, tu le passes. Entre les deux. Là, tu le vois, dans le guide fil qui est à l'intérieur. C'est tout trouble. Voilà, il est passé. Maintenant, on descend. Tu descends et tu le guides. Tu vois, il y a un petit guide là qu'il ne faut jamais oublier. Parce que ce petit guide là, si tu ne le mets pas, le point, il ne se fera pas. Il faut que la machine soit bien enfilée partout pour pouvoir faire un joli point. T'arrives à le passer? Comme ça. Voilà. Par contre, il faut que tu le remettes devant l'aiguille. Ah ben, comme ça. Vas-y, tire. Voilà. Et maintenant, il faut enfiler l'aiguille. Il faut que tu passes de devant à derrière. Ah, pas de derrière. Ouais. Moi, je faisais dans le vide, en fait. Voilà. Tu l'as? Oui, parce que je faisais dans le vide. Voilà. Et maintenant, tu tiens le fil et tu fais tourner la roue. Tu te souviens ce que je t'avais... Ah oui, ça, c'est pour couper le fil. Ouais. Et bien, tu tires le fil et tu vas tourner la roue là. Toujours vers toi, jamais vers de l'autre côté. Toujours vers toi. Je m'en souviens. Tu tournes pour descendre l'aiguille jusque la canette. Donc, vas-y. Descends. Non, tire pas le fil. Juste tiens-le. Descends. Et jusqu'à ce qu'il remonte. Il est remonté là. Non. Elle est encore en bas là l'aiguille, Minou. Allez, remonte. Et tu vois, elle a attrapé le fil. Tu le vois? Ah ouais. Et ça, c'est pour baisser le truc. Alors, il faut que tu remontes l'aiguille. Là, une fois qu'elle est remontée, tu tires pour faire remonter le fil d'en bas. Hop, et voilà. Le fil d'en bas, il est mis. On passe derrière. Et ta machine, elle est enfilée. Du coup, là, je vais commencer. Attends, ça, c'est pour baisser le truc là, pour pas se faire mal. Comme ça, par exemple, on tourne, on doit enlever. On va prendre une chute de tissu. Si on préférait ça. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Alors, on va d'abord régler la machine, on va regarder le réglage. Donc en fait, là, le point droit, la longueur du point est réglée directement dessus. Il y a donc le point droit avec les différentes largeurs. Ensuite, il y a le point droit mais avec l'aiguille de gauche. Le zigzag... avec des points, je ne sais pas comment ils s'appellent ces points. Enfin bref, le zigzag en pointillé, donc ça c'est les boutonnières, et elle a donc les différentes longueurs de zigzag aussi là, et les zigzags plutôt point bourdon de ce côté-là. Donc nous on va mettre un point, mais pas trop, pas trop large, mais pas trop court non plus. 8 c'est mieux. On est sur le 8, et c'est parti, on va tester ça. Donc, on place le tissu. Donc là, on va tester un point droit. Donc, on commence par quoi? Par descendre ça? Non. Par trop... Je sais pas. On descend d'abord. Ah oui, la pédale. Le pied presseur. Mmh. Voilà, donc une fois que le pied presseur est descendu, on fait quoi? On tient le tissu et on appuie sur la pédale doucement. Voilà. Et voilà. Et donc là, on a fait une petite ligne droite. Comme ça, en même temps, on vérifie la tension du fil. Bon, là, a priori, de toute façon, elle est pré-réglée. Hein. Donc voilà. Maintenant, on parle du kit. Donc en fait, maintenant, on va parler du kit. Donc je vais offrir le kit Mon cours en kit, pardon, de Pas trop moi je couds.
donc que vous pouvez trouver sur son site au prix de 25,90€. Et donc dans ce kit, il y a le patron en taille réelle, prêt à l'emploi, un coupon de coton imprimé de 15. Je peux l'acheter un peu. Mais écrit devant. Donc dedans, il y a le patron. Donc c'est le patron de la... comment ça s'appelle ? Elle s'appelle Hermine. Papa ? Non, c'est la serviette pour les cheveux. Serviette-cheveux. Non, serviette de tête, hein, c'est écrit. Donc il y a le patron qu'on va découper après. Ensuite, on a le papa. Et on a le coupon, un coupon de coton de 15 cm sur 70 cm de coton imprimé. On a l'éponge, non, on a l'éponge de bambou de 25 cm sur 1,40 m de l'aise. Voilà. Il y en a partout. Oui, il y en a partout. Et il y a également un bouton en bois avec un élastique, donc pour fermer, pour attraper le bouton. Et le cours vidéo avec les points techniques. Donc les points techniques de ce kit, c'est le point droit, pour apprendre le point droit, pour apprendre le zigzag, pour apprendre à coudre droit, à coudre dans les angles et à coudre dans les courbes. Donc des courbes simples. Donc c'est pour ça qu'on lui a acheté le cours en kit pour débuter. Elle a déjà cousu un petit peu sur ma broseur. Lingette démaquillante. Elle a fait des lingettes démaquillantes, exactement. Et du coup, là, on va s'attaquer un projet un peu plus grand, donc qui est donc cette serviette de tête. Ouais, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc on va essayer de faire ça dans une deuxième partie de vidéo. Là c'était surtout la présentation donc, de cette machine et de l'enfilage. Et dans une prochaine vidéo on fera le cours en kit. Mais je vous fais ça très vite en suivant. Là on va essayer de faire ça mais... il est quand même assez tard et je veux pas qu'on tourne une vidéo trop longtemps et que j'ai encore des choses à faire. Donc on va profiter de peut-être mercredi pour le faire. Ouais, mercredi j'ai le temps. Voilà, donc on va essayer de faire ça et donc je vous ferai, vous aurez bientôt la suite en vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce et à mettre un commentaire en me disant ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Je suis très contente d'avoir pu faire cette vidéo avec Naïla et vous présenter ma fille plutôt qu'en vidéo. Et de partager avec elle cet amour pour la couture autant que ça. Donc je suis très contente que ça la passionne autant que moi. Et voilà. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.